d'insister sur l'apport du tourisme qui s'appuie aussi à un territoire bien potentiel à faire à 25%. Et il y a des acquis immenses, il y a un savoir-faire immense. Les opérateurs de visa et femme des milliers de milliards d'actifs, là malheureusement, partiellement repartis sont dormants. Il y a des dizaines de milliers de personnes, même malheureusement, sans soir, chômage, sans l'arrivée passée, de travail. Donc, qu'est-ce qu'il y a de vraiment, il était temps qu'il y ait une action collective globale. Tous les stakeholders, tous les éléments de droit, tous ceux qui peuvent contribuer au développement du secteur. Donc, dès la fin de l'État, on a assez d'ordres, on a différents clients, une femme, particulièrement à l'ECB, je connais 20% de clients écologiques, je n'ai pas qu'un. Hélas, l'ECB aurait à sa approche, sur 80% de clients écologiques. Donc, je suis un chef financier. C'est rare que maintenant le CIAC a maintenant le STB, le système bancaire pour moi, donc le système bancaire est nettement mieux. Ou que maintenant le CIAC a une part commune qui s'appuie ici. C'est encore plus important parce que qu'elle me retrouve des citoyens actifs totalement et c'est du personnel compétent qui attend l'opportunité dans le dossier. D'où l'importance qu'il y ait comme locomotive principale un plan de redressement du secteur. Parce qu'il y a des conditions nécessaires. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. S'il n'y a pas de conditions de reprise du secteur, avec un effort volontariste, avec un vrai plan Marshall du tourisme qui prend en considération toutes les composantes, dans la CA ou le domaine d'affaires, les banquiers, moi, je pense que tout ce qu'on va faire pour le secteur ensemble, il y a un peu de même rappel. Donc, il faut peut-être cesser de se lamenter à soi et commencer à agir de façon entrepreneuriale pour profiter de la crise entre guillemets et moderniser le secteur. Je suis vraiment heureux de voir comme il y a des assises, je tiens à remercier parce que c'est une fédération, une voix immense, de dimanche vide. Et je suis très heureux d'annoncer que pour les grands pays, nous sommes un petit frère, le mauvais de l'âme, pour la restructuration de la dette. Ce n'est pas la peine de rentrer dans du détail technique, quand tu as pour le détail technique, nous sommes prêts, battre ce dette, on peut y répondre. C'est une restructuration, c'est une ingénierie financière qui est en formation. Peut-être que la STB l'avait initiée, mais elle a été améliorée par la PB, par l'ensemble des acteurs banquiers futurs. Donc, on a eu deux réunions, très longues réunions, on a débattu de tous les aspects. Et nous avons une situation, ce n'est pas une panacée, il ne va rien résoudre, mais ce n'est pas qu'on prenne le redressement du secteur. Et elle est améliorable, elle est volontaire, on veut l'adhésion des clients, et on est heureux après de concessions douloureuses, ou lourdes, mais je pense que nous sommes la vraie ligne qui va acheter. D'abord, nous faisons une crise, donc nous faisons une crise de Mahat, comme ça ne sert à rien. Donc, il faut reconnaître ce que c'est de la crise. Mais là, je vais faire une autre contrepartie, tout ça, le business. Donc, il faut qu'il y ait gagnant-gagnant, une stratégie gagnant-gagnant, en contrepartie, pour à la fin des unités qui fonctionnent bien. Où il y a une chance de prendre le versement et de retrouver du bureau spécialisé, qui est une chance, nous voudrions que notre dette soit remboursée, et si possible, pourquoi pas dans sa totalité. Donc, il y a des formes de dividendes, des formes de développement de l'hôtel, ça permettra à la pays de financement du secteur touristique de lever. Les nations elles vont fournir et vice versa. Donc il y a une logique gagnant-gagnant. Lui, il a ma flèche, beaucoup, une stage, une partie de provision de part à terme. Moi, je crains pour l'avenir du financement du tourisme. Est-ce que l'appétit reviendra? Est-ce que les banques n'y a pas? Donc, ça, c'est pour ça que je suis heureux. Je félicite la fédération pour ça. Le respect des collaborateurs, le respect très responsable. Maintenant, nous attendons Inch'Allah et nous avons beaucoup d'espoir. Je connais le ministère de tourisme. Il a préparé les assises, mais je suis parti de
développement du secteur tire dans les conditions. Moi, je me contente de cela à ce stade.